Notre limousine devient folle. Aidez-moi. Oh, mais je vais t'aider, rassure-toi, Gazella. Dès que tu auras gentiment répondu à quelques petites questions. Je l'ai, les copines! Le premier numéro de Yacht et Weekend de Scar! Waouh! Une interview exclusive de Gazella, la reine des top modèles! On veut des scoops! Elle révèle que pour garder sa légendaire silhouette fine et élancée, elle se nourrit uniquement d'aliments longs et fins, comme les spaghettis et les asperges. J'aurais peut-être dû prendre un esquimau plutôt qu'une coupe de glace. Vous voyez, ça c'est capital comme information. C'est ce que j'appelle du journalisme d'investigation. Alors les bécasses, vous n'en avez pas assez de tous ces potins? Moi je vous garantis des scoops à gogo. Je vous présente en exclusivité Action ou Vérité, le nouveau jeu qui fait fureur dans lequel vous devez révéler un secret ou relever un défi. Action ou vérité, c'est ça? Je pense que ça va pas te faire très plaisir, Mandy. Mais on y jouait déjà quand on était à la maternelle. Est-ce que ça t'arrive d'écouter ce que les gens disent? C'est un nouveau jeu qui fait fureur. Il vient du Japon et j'aime beaucoup la couleur de sa mallette. Qui se décide à commencer? Oh, laisse tomber, Mandy. Il nous intéresse pas, ton jeu. Petite menteuse, tu meurs d'envie d'y jouer. Et la première est... Clover! Alors, action ou vérité? Vérité. Combien de garçons as-tu embrassé cette semaine? 5? Non, attends, en fait, 6? Mais quoi? Sam, c'est à ton tour. Je crains le pire. Action ou vérité? Vérité. Ouh! Comment s'appelait le tout premier garçon que tu as embrassé sur la bouche? Lloyd Bradley. C'était en 6e, nos appareils dentaires se sont accrochés. Comme c'est mignon. Bon, allez, on passe à la suivante. Alex, tu choisis action ou vérité? Vérité. Oh. Comment s'appelle ta meilleure amie? Clover et Sam, évidemment. Tu n'as droit qu'à un seul choix. Eh ben, ça m'est égal, je les aime autant l'une que l'autre. Si tu ne réponds pas à la question vérité, la règle veut que tu prennes action. Eh ben, dans ce cas, je prends action. À la bonne heure. Alors cours le risque de perdre une amie en révélant laquelle tu préfères des deux. Alors là, tu rêves, hein. Je vais pas choisir entre Sam et Clover, tout ça pour suivre les règles de ton jeu. Waouh, ça l'a rendue furieuse. Il y a de l'orage dans l'air. Alex, attends. Personne n'a l'intention de finir cette glace. Calme-toi, Alex. On va quand même pas se fâcher à cause de Mandy, ce serait ridicule. Oui, Clover a raison. Tu sais bien qu'on restera toujours soudés quoi qu'il arrive. Oui, coucou. Navré de vous interrompre, mesdemoiselles, mais connaissant votre curiosité insatiable pour les célébrités de ce monde, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Oh, hey, c'est le jet doré à l'orphin de Jack Johnson. Jack Johnson? On parle de ce chanteur un peu dingo et carrément rétro qui vit dans un ranch. Il est pas rétro, Sam. C'est vraiment le meilleur. Ses chansons me touchent profondément. T'es sûr que c'est pas son côté vieux jeu qui te fait craquer? Qu'est-ce que t'en penses, Sam? S'il vous plaît, mesdemoiselles, les qualités artistiques de la musique de Monsieur Johnson ne sont pas à l'ordre du jour. On a tenté de l'enlever et c'est ce qui nous préoccupe. D'après Monsieur Johnson, le ravisseur se serait fait passer pour son pilote. Heureusement, notre chanteur a eu le réflexe de s'éjecter. Qui peut bien vouloir le kidnapper? Eh bien ça, je l'ignore, ainsi que Monsieur Johnson d'ailleurs. Et c'est précisément pour le découvrir qu'il nous a contactés. Vous voulez dire qu'on est invité au ranch de Jack Johnson? Ma foi, oui. Génial! Je croyais que tu le trouvais vieux jeu. J'ai jamais dit ça, et si ça fait plaisir à Alex. À présent, vos gadgets. Gladys. Et en avant pour des bottines à perfotalons en titane, du mascara lance-filet à tige télescopique, et pour finir, les indémodables oreillettes émetteurs-récepteurs serties pour l'occasion d'un véritable simili-saphir. Une dernière chose, mesdemoiselles, si jamais l'occasion se présente, pourriez-vous demander à Jack Johnson un autographe pour moi, pour ma nièce? C'est comme si c'était fait! Je vous remercie d'avance, bonne mission! J'ai dit que Jack Johnson était un peu dingo tout à l'heure. J'espère qu'à aucun moment tu ne l'as pris pour toi. Parce que même les meilleurs amis du monde peuvent avoir des divergences d'opinion, pas vrai? Hein? Bien sûr, Sam. Hé, Alex.
Tu sais, j'ai vraiment pas voulu être déplaisante quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu vieux jeu, tu sais. En fait, les meilleurs amis du monde ne pas toujours être d'accord. Ouais, bah ça va, j'ai compris, quand même. Et de quoi vous parlez toutes les deux? De rien, de rien. On discute en privé, comme le font souvent les meilleures copines. Sans blague. Et alors moi, sa meilleure copine, je devrais pas être conviée à la conversation. Hé, regardez, un éléphant! Ne change pas de sujet. Non, je vous assure. Un éléphant, des oiseaux exotiques et puis des singes aussi. C'est le zoo de Jack Johnson. Quelqu'un nous tire dessus! Faites attention! Ah oh ah 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 ah. Allez vite! On se pose et on trouve une cachette! Je tirais pas dessus. En fait, c'était un feu d'artifice. Et j'en fais tirer un tous les mardis après-midi. Vous devez être les agents du Whoop, je suppose. Je suis Jack Johnson. Monsieur Johnson, c'est un tel honneur de faire votre connaissance. Appelez-moi Jack. Oh, quel manque de goût vestimentaire. D'habitude, ce sont plutôt les méchants qui portent ces costumes ridicules. Bravo pour l'autre jour, mon cher Jack. Vous l'avez vraiment échappé belle. Oui, c'est vrai, j'ai eu chaud. Quelqu'un a voulu s'en prendre à ma personne et je suis quasiment certain qu'on recommencera. Rassurez-vous, Jack, on est là maintenant. On va d'abord passer le ranch au peigne fin pour écarter tout danger. Et l'une d'entre nous devrait rester avec Jack. On ne sait jamais si quelqu'un l'attaquait pendant qu'on fouille le ranch. Tenez, prenez cette oreillette. Grâce à son micro-émetteur, vous pourrez nous appeler à tout moment. C'est merveilleux. Je serai dans ma cabine d'aromathérapie. Faites comme chez vous. Bon, j'ai une idée. Si le ravisseur est toujours dans les parages, déguisons-nous en Jack Johnson en espérant qu'il frappe à nouveau. Vous croyez que ces déguisements vont attirer son attention? Personne ne peut les rater tellement ils sont voyants. Bon, allez au travail. Du parc d'attractions, tout paraît normal. Il n'y a rien à signaler. Et de ton côté, Clover? Oui, ça va. Mis à part qu'un singe me prend pour son arbre, rien à signaler. Et toi, Alex? Calme plat du côté de la gare de Johnson Land. Je vais monter dans le train. Ça peut être sympa. Il faut un tour complet du parc. Immédiatement. Bonjour, monsieur Johnson. Êtes-vous prêt pour une nouvelle tentative? Alors, monsieur Johnson, combien avez-vous subi d'opérations de chirurgie esthétique? Aucune. Je m'aime comme je suis, naturelle. Bizarre. Et combien avez-vous dépensé pour votre garde-robe la semaine dernière? Eh ben voyons, alors j'ai acheté une jupe mienne comme tout et une nouvelle paire de baskets manteau dans les 85 $. Oh, mais vous n'êtes pas Jack Johnson! Bah non, je suis Alex, agent du Whoop, et deux de mes collègues vont débarquer d'un instant à l'autre. Ah, il va trop vite pour qu'on puisse sauter à bord. Faut pourtant qu'on essaie. Ce type a kidnappé Alex. Oui. Sam, lance ta ceinture grappin. Ma meilleure amie Alex, sinon je vais devenir très méchante. Hé, hey, regarde, un Y et un W, c'est bizarre, non? Ça devrait pas plutôt être 2J, comme Jack Johnson? Ça, c'est le logo de Yacht et Weekend Star. Interrogeons le Whoop à propos de ce magazine. Alors, mesdemoiselles, et cette mission, monsieur Johnson est-il hors de danger? Tout va bien pour lui, mais on a enlevé Alex, en revanche. On pense que le ravisseur est lié au magazine Yacht et Weekend de Star. YW, c'est ça? Alors, attendez une seconde. Oh, parfait, nous y voilà. Un certain Cyril Ragopotin, ancien garde du corps des stars, s'est servi de ses relations pour créer un magazine People dont les bureaux sont à Beverly Hills. Je crois qu'on devrait y faire un petit saut. Je vous envoie tout de suite l'hélicoptère. Ah!
On dirait que quelqu'un a arrêté les presses. Ça, c'est bizarre. Une éprouvette a plus sa place dans un laboratoire que dans une imprimerie. Clover, je crois que j'ai trouvé la formule chimique du contenu de ces éprouvettes. C'est une sorte de sérum de vérité. Voilà comment Yacht et Weekend de Star obtient toutes ces informations. Cyril les kidnappe et se sert de ce sérum pour leur extirper les pires confessions. Probablement, les pièces du puzzle s'assemblent. Mais on ne sait toujours pas où est retenu Alex. C'est dur. Et est-ce que tu as révélé l'identité de ta plus vieille et meilleure amie? Absolument, je lui ai dit que c'était Ollie. Ollie? Ollie? Encore un scoop que vous découvrirez en exclusivité dans votre magazine People préféré. Oh, Cyril Ragopotin. En personne. Vous pouvez dire adieu à votre ramassis de scandale. Vous n'utiliserez plus jamais votre sérum de vérité, vous entendez? Bien dit. À partir de maintenant, la rubrique People, ce sera rumeur et sous-entendu comme au bon vieux temps. Et vous pouvez me dire comment vous comptez m'arrêter? Je dirais qu'elles vont vous piéger avec leur mascara lance-filet, me faire sortir d'ici grâce à leur perfaux talons et appeler les renforts du Whoop sur leur com' poudrière. Oh, Alex! Ah, désolée, ça m'a échappé. Si on passait en revue les étapes de fabrication d'un magazine, mesdemoiselles. Tout commence bien sûr avec la matière première, le papier. Vous ajoutez ensuite un peu d'encre. Et pour terminer... Vous empaquetez. Et voilà, vous êtes prête à être livrée en kiosque. Si vous ne vous rendez pas maintenant, vous risquez de le regretter, Cyril. Des regrets? Ça m'étonnerait fort. À présent que j'ai mon petit soldat Alex, je vais pouvoir éliminer la concurrence de façon beaucoup plus radicale. Ah oui? Ça veut dire quoi, ça? Je vais lui demander de me révéler quelques secrets pour infiltrer le Whoop. Avec leur arsenal, je détruirai tous les autres magazines People. Oh là, vous rêvez! Alex ne vous livrera jamais les secrets du Whoop! Bah bien sûr que si, je vais le faire! Je suis sous l'influence du sérum de vérité au cas où t'auras oublié! Vous voyez? Alex est depuis peu ma meilleure amie. Mais Cyril, je peux pas être votre meilleure amie vu que vous êtes mon pire ennemi! Tu parles de la chance, je vais être obligée d'aller chez la pédicure, je te ferai remarquer. Alex et Cyril ont dû prendre l'hélicoptère du Whoop et sans nos com poudriers, impossible de contacter Jerry. Et si on l'appelait simplement au téléphone? Excellente idée, Clover. Et c'est quoi le numéro du Whoop déjà? Hein? Je m'en rappelle plus. Si seulement on connaissait quelqu'un avec une oreillette et un jet privé. Jack Johnson! Le commandement du Whoop est derrière cette porte. Ah bah oui, y a plus qu'à passer la sécurité. Bravo, excellent travail, Alex. Maintenant, comment faire pour prendre le contrôle des missiles? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Alex, tu me dois encore la vérité pendant quelques heures. Tu as inhalé suffisamment de sérum. Mais elle vous dit la vérité. Les espions du Whoop ne connaissent pas tout de son fonctionnement. Moi, si, par contre. Jerry, je suis tellement contente de vous voir, ça va? Alors là, franchement, c'est vraiment la honte, hein. Non seulement on se fait confisquer nos gadgets, mais en plus on en vient à demander de l'aide à un chanteur. Oui, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde de voyager dans un jet privé doré à leur fin. Non mais vous voulez rire? Ce vieux coucou, oh, je le change bientôt contre le modèle incrusté de diamant.
Dis-moi, quel est son point faible? Aucune idée, je savais pas qu'il se battait aussi bien que ça. Dans l'espionnage, c'est important de ne pas dévoiler son jardin secret. Jerry, attention! Bon, Jerry, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez à présent m'indiquer les commandes qui actionnent l'armement? Certainement. Appuyez sur le bouton bleu de la console. Ce petit engin s'appelle le paparazzo. Veuillez appuyer sur le bouton vert. On dirait qu'il est en train de se charger. En effet. Appuyez à nouveau sur le bouton vert, vous activerez un éclair lumineux extrêmement puissant. Vous voulez que j'anéantisse la concurrence avec ce minuscule joujou? Bien sûr que non, ça c'est une réplique miniature. Appuyez sur le bouton rouge, je vous prie. Voici la version grandeur nature du paparazzo, équipée d'un flash de 50 mégawatts. À pleine puissance, il peut rendre aveugle tout un quartier. Sensationnel, ça fera parfaitement l'affaire. Mes concurrents ne pourront plus rien publier s'ils sont aveuglés. Programmez les coordonnées de la cible et appuyez sur la touche validation. Et à la fin du compte à rebours, il sera chargé. Vous pouvez arrêter les presses, Cyril. On a une info de dernière minute pour vous. Exact. Vous ne saviez pas que les méchants perdaient toujours à la fin? Ça, c'est vous qui le dites. C'est plutôt une rumeur. Un bon journaliste doit toujours vérifier ses informations. Sam, sers-toi du gadget sur la console, dis à Clover de fermer les yeux et appuie sur le bouton vert. Sam, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Clover, ferme les yeux. Sympa comme gadget. Et tu crois que ça nous a aussi pris en photo? Non, ça aveugle et ça paralyse. Et sa version à grande échelle va s'en prendre à tout un quartier si on fait rien, alors faut faire quelque chose. Ah, c'est trop tard, j'en ai peur. On ne peut décharger le paparazzo qu'en activant son flash. Je vous suggère de déprogrammer sa cible et de le détourner sur une zone inhabitée. Oh, je n'y arrive pas, la cible est verrouillée. Et en plus, on n'arrivera jamais sur place à temps. Si, on y arrivera, on n'aura qu'à dévier le flash. Allons, Monsieur Johnson? Laissez-moi les commandes, Jack. La manœuvre doit être parfaitement exécutée. Sam, il me faut le compte à rebours. D'accord, Clover. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, mesdemoiselles. C'est votre troisième ou quatrième meilleure mission jusqu'à présent. Ah oui, ça veut dire quoi exactement? Dis-contre qu'il est toujours sous l'effet du sérum. Et si on jouait à Action Vérité avec Jerry, c'est l'occasion ou jamais. Surtout qu'il a un très grand jardin secret d'après ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites, Jerry? Vous êtes prêt à passer aux aveux? Même vous ne pouvez pas résister au sérum, pas vrai? En effet, Clover, je suis désormais obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Mais un bon espion doit savoir échapper aux interrogatoires. Oh ben non, c'est pas du jeu, c'est trop facile. Hey, les copines, qu'est-ce que vous faites? Oh, trois fois rien, on parcourt juste quelques magazines entre meilleures amies. D'accord, alors parlons-en. Vous m'avez demandé le nom de ma plus vieille et meilleure copine sous l'effet du sérum. J'étais obligée de répondre au lit. Alors la moindre des choses, c'est de vous la présenter. Elle me quitte pas depuis que j'ai 2 ans. C'est ma confidente. Mais c'est vous deux, mes meilleures copines. Et sincèrement, je choisirai jamais entre vous. Oh, ma petite Alex d'amour, c'est pareil pour moi. Oh oui, c'est pareil pour moi, t'es ma meilleure amie.
Mais comment ça, Alex est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie. Ça va pas la tête là? C'est évident que c'est ma meilleure amie. Oh, non, c'est ma meilleure amie. Ah non, c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde le sait, c'est ma meilleure amie. Non, c'est la mienne. Mais enfin, rends-toi à l'évidence. Oui, c'est évident, Alex est ma meilleure amie. T'as vu dans quel état tu te mets? Qui voudrait de toi pour meilleure amie? Alex, par exemple. Mauvais exemple. Allez, viens, Oli, on va manger un esquimau. Je suis toujours franche et honnête. Enfin, je veux dire la plupart du temps. Comme tout le monde, je garde des petits trucs pour moi. Mais depuis le sérum, c'est un festival, je dis tout. Tenez, quand j'étais en primaire, par exemple, il y avait un garçon, bah j'étais totale amoureuse de lui. Sauf que c'était pas n'importe qui, hein. C'était le petit copain de Clover. Je sais que c'est pas bien, mais j'étais vraiment folle de lui. Et puis bon, c'est pas comme si je lui avais volé. C'est vrai, j'ai essayé. Je me suis même habillée comme elle pour lui plaire. Ils vont durer encore longtemps, les effets de ce sérum de vérité.